Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, jeu pour enfants. Donc voilà, donc deuxième expérience avec le Lycopodium. Donc ça a été on peut commander ça sur Amazon aussi, hein, bon, sinon il y a un type spécial. Ok, donc bon, ça c'est un saladier, donc un récipient normal. Et par-dessus on met de l'eau et puis on a mis à peu près la moitié du paquet à l'intérieur. Donc on a déjà testé la dernière fois, hein. Donc on va mettre par exemple mettre un doigt comme ça et n'est pas de mouiller. Donc on va tester d'autres expériences. J'ai réfléchi, je me dis pourquoi pas, on pourrait mettre le reste du paquet. Voilà, et qu'est-ce qui se passe si on met donc les 100 grammes ici? Donc bon, déjà on va avoir une belle surface, hein, comme on l'a déjà, qui est assez épaisse, hein, plus de entre 0,5 mm et 1 centime. 1 cm, bon, à peu près ça. Ok, donc on va essayer, je pense que je vais en mettre encore plus, comme ça on va avoir encore vraiment une belle épaisseur, une belle surface, et je vais faire, voilà, on va vider le paquet en entier, hop. Donc vraiment top. On a bon, normalement l'eau devrait rester transparente, mais là c'est un peu jaunâtre, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, donc là ma main est encore sèche. Voilà. Donc on peut essayer avec une deuxième main aussi. On va garder ça de côté. Mettre déjà mon petit doigt. Hop. Donc là on a le doigt dans l'eau. Et il est resté complètement sec. Donc avec les doigts ça fonctionne très bien. Ok, on peut regarder, hein, faut des petites têtes, parce que des fois si on va trop profond, c'est quand même le bout du doigt qui s'humidifie. Bon, et là par contre ils sont vraiment complètement secs encore. Voilà, donc après, ce qu'on peut observer avec cette expérience, c'est que si on en met plus, ça ne va pas forcément mieux fonctionner qu'avant. Voilà. Si donc j'ai mis, puis après, bon bah, quand même, voilà, ça peut devenir un peu humide. Donc je vais pouvoir tester encore d'autres expériences, donc on fera ça sur la chaîne dans les jours qui viennent. Hein. Mais voilà, on va faire différentes expériences, on a déjà testé bien avec... les mains, mais après on va voir, hein, ce qu'on peut mettre aussi, différents objets, pourquoi pas. J'espère que cette expérience vous a plu, n'hésitez surtout pas à l'aimer la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions sur tout ça, hein, n'hésitez pas à faire partager vos avis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite, salut!